Non, non, non. Après, vu comment il faut après la brebis. Quand ils m'ont dit de la rappeler, Allez, et toi? Il y avait que j'ai dit stop encore. Pas parce que je l'ai plus là. De quoi? Oui, j'ai chaud. C'est le tan. Pourquoi tu ne l'as pas? Parce que c'était naturel. Maintenant qu'elle travaille vraiment au chico, elle n'a pas les ordres. Si les droites, elle va aller chercher. Elle va chercher les boutons du fou. Mais non, mais je vais chier. S'il n'y a plus d'ordre, maintenant qu'elle s'est vraiment bien passée, tu les fous au fond, elle va te faire le tour de purée et tout, elle va te. Mais dès que tu mets qu'un métal, personne ne va passer le fou. Elles arrivaient à un mètre comme ça, pour rentrer, la clé. Alors le chien était au bon angle et tout, il faisait pousser. Et puis les brebis à trois têtes là, trois continues, je lâche, je fais que c'est un peu. Et tout le monde faisait des vagues avec ça. Et en fait, la crème là, c'est pas tout servi. Il fallait faire des vagues, les faire tourner sur elle-même, pousser le chien. Et monter dans la bétaillère, il y en a qu'un qui a réussi aussi. Pas un, deux, un, trois. Parce que c'est pareil, parce que les grosses bébés, elles sont jamais montées. Donc le mec, il a chopé. Et puis c'est un métal, elles sont jamais montées dans la bétaillère. Donc il a chopé la jambe de brebis, il a refilé dedans. Il avait un chien aux ordres. C'était beau à voir. Le chien, il paniquait, ça fait une qui se barre et vous faisait le tour quand qu'elle était dedans. Et les archivants. C'est le seul qui a réussi. C'est à Lévignac, c'est comme ça qu'il est. Ah ouais. Personne n'a réussi à monter, puis à un moment donné, elle a pris une brebis, elle a rentré dedans. Elle est reconstruite automatiquement. Quoi ? T'as dit que là, tu ne l'es pas. Hein. Il est recouvert, il a dû prendre le chien. Avec le chien, quoi. Ouais. Et là, le chien a bien fait son boulot, il ne le voyait pas, parce qu'il y en a qui a essayé de monter sur un haut de la bétaillère pour voir un peu ce qui se passait, comment le chien. Et lui, non, il regardait côté des brebis, il savait que le chien, il allait être là ou là ou là. Normalement, tu ne dois pas faire ça non plus. C'est le naturel du chien. C'est-à-dire que le chien, moi je croyais, tu sais, normalement quand tu vois ton chien au début, tu te décales un peu pour lui montrer l'axe des brebis. Non, tu restes dans le jeu. Tu laisses faire. Il doit aller, parce que tu vas en premier tout seul. Bon, de ça, c'était pas bon pour moi. Parce qu'elle arrive.